mieux sont en choisir à la carrière. Ma foi, parce que. Eh bien, qui soit après pour moi, il n'y a pas besoin de connaître. Eh bien, on peut être mémoire. Tout est pour que je vienne là. Ah, ouais, là. Dames à des consciences. Ah, ouais, il dit combien de monde qui vient boucher venir faire trois soirs? Pas d'autre. Mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le président, je suis très heureux d'être parmi vous pour cette deuxième édition du Festival du Rire. Et avant tout, je vous prie d'excuser monsieur notre maire, monsieur Hervé Chevreau, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, et qui m'a chargé de vous transmettre ses amitiés et son soutien. Épinay-sur-Seine, avec la communauté haïtienne, c'est une histoire très importante, très forte, puisque depuis 2003, ça fait une quinzaine d'années, que nous organisons ensemble des manifestations pour le plaisir des Spinaciens et des villes avoisinantes. Au nom de l'équipe municipale et au nom de Monsieur le maire Hervé Chevreau, j'aimerais féliciter et remercier Monsieur le Président, mon ami Hélène, président de l'association Solidarité France-Haïti Internationale, pour l'organisation de cette deuxième édition du Rire, où on aura, d'après ce que j'ai compris, de la musique et du rire. Donc merci beaucoup. Et je vous passe, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bien, bien, on applaudit mes chers amis, on applaudit. Voilà. La soirée. Maintenant, nous allons passer un moment très triste. Très, très triste. Vous vous souvenez, l'année dernière, le monde culturel haïtien a vu partir un grand de la comédie. Il s'agit bien sûr de monsieur du feu regretté Jean-Claude Joseph, de son nom d'artiste, qui est Papa Pierre. Papa Pierre, il est parti le 18 octobre 2017. Papa Pierre était invité à la première édition du Festival du Rire ici à Paris. Il a été empêché parce qu'il a été rappelé par la présidence haïtienne pour recevoir avec plusieurs humoristes haïtiens un prix d'excellence pour l'ensemble de leur œuvre dans ce milieu culturel. Pour la deuxième édition également, Papa Pierre avait répondu présent pour être là avec nous ce soir. Malheureusement, le sort a décidé autrement et Papa Pierre est passé de l'au-delà. Pour cette raison, les organisateurs de ce festival avaient compris qu'il y avait une urgence et une, disons plutôt, ce serait important pour nous de rendre un hommage mérité à Papa Pierre parti il y a à peu près presque un an. C'est pour ça, nous prenons ensemble, rendre hommage ça à Papa Pierre, pendant que nous invitons, nous aurons 3-4 minutes de silence pour nous regarder la vidéo ça qui résume un peu qui est Papa Pierre. Hommage à Papa Pierre. Ami Benzad, avec vous faites la première vidéo. On a dit que le gars a tout mis à moi pour dire ça maintenant. Je vais dire, mais je vais aller pour papa Pierre, pour l'année.
bonne santé. Ma tête, ça passe ma vie. Ah, mon Dieu, santé, mon Dieu, avez-vous la joie? Oui. La santé n'est pas mal. Si ma vie ne fait plus, ne fait plus, attendez là. On dit ça, mais on parle de nos plans. Eh, mais oui. Mais on parle de nos plans, mais oui. Mais on parle de nos plans, mais oui. Nos plans, mais oui. Mais ça va être bon. Bon, vous bien, on parle de nos plans, non? Eh, non, mon cher. Alors, si on connaît qu'il m'a joué une de ça, si on connaît ça, le papier. C'est pas vrai. Comment on connaît aujourd'hui? On connaît lui-même. On connaît. On veut ça se passer. Bon, voilà, là, il va pas être dans nos plans. Comme à moins de vous faire une retouche pour lui. Sauf une fée. Vous ne voulez pas être dans nos plans, vous allez toucher à vous, le papier. Je touche qui ça? Et tout le bagage, nous, comme mettre notre tête sur nos jambes, pas qu'on veut belle là. Pas mal, non? Pas mal, non? Bon, vous connaissez. C'est ça que vous avez dans le plan. Oh, vous avez parlé de votre. Ah, bah, il y a le plan. Oh, normal? Oh, bien, nous, nous, la vie. Oh, normal? Vous savez, vous avez un homme. Quoi, vous avez un homme? Vous avez un homme. Vous avez un homme. Vous avez un homme. Ça va, vous avez un homme. On peut faire le bagage, il dit qu'on fait pour l'encore. Normal. Je vais quand même faire pour l'encore. Vous venez là, si on pouvait vous planer, même quand il a même. Ah! Ça y est, ma tête! On plane à parler, vous. Vous ne pouvez pas maintenant, c'est maintenant. Et bien, il y a un gros poulet, le poulet, le poulet. Mais à cause de la rue, vous laissez une fois vous faire pour calmer. Vous ne savez pas garder vos choux. Dans cette salle. Eh bien, nous appelons sur cette scène Généré l'homme paysan, Généré l'homme de SEMA et Généré maintenant l'homme international. Sur vos applaudissements, mes chers amis, Généré! Qui va vous mettre la table, lèvez-moi à vous après. Là, c'est une roubouette. Mais donc, quoi? En s'adressant, what to say, l'iné, now I might get prêter la table. Now prêter la table, yo, vous m'avez, yo, cassé, t'es vous pas prêt, t'es sous moi. Chante pour l'homme, mon Dieu. Pas chante pour, pas prêt, t'es sous moi, t'es sous moi. Pas de Et pour moi, c'est un cœur content et son plaisir tout. C'est un grand premier lieu pour moi pour que je participe dans la deuxième édition du Festival Géré à Paris. Et autant que Géré, je pense que c'est un grand premier, j'ai comme d'habitude là. Je dis un pense que je félicite talent et je félicite tout. Et la communauté, c'est ma croisée. Et qui était toujours accompagné, qui était toujours battre bravo pour moi parce que c'était plus gros et cadeau que je me joindre dans le parcours ou bien. Je me gagner. C'est bravo, bravo, c'est tout Haïti. Et pour le moment là, nous vivons l'autre vie, que appréciation du moins, accueil que je viens au niveau des internationaux là, qui va être la France à Paris pour la deuxième édition du Festival Géré. Alors que ça, c'est très content et ma demande bon Dieu toujours accompagner et fanatique par j'aime la game et supporter pour aller vers l'avant. Bon, et ça que moi senti, ça que moi marqué dans le public là, yo monte que yo tap tan mon et yo te soif, moi yo te envie faire pour ça savait. Moi c'est une grande première et son grande ouverture tout pour que moi avec yo asoyer tout
pour montrer que ça me gagne dans jacout moins et ça que mon café et pour habiliter que me gagne tout. Je pense que m'a fait de mieux que moi-même et pour que moi atterri et dans niveau que tu as tellement. Comment ça vient de tête pour devenir artiste, faire mourir. Comment ça vient? Bon, finalement et talent ça lui-même que me découvrir et me commencer en 2008. Et dans tambour, théâtre tambour qui te connaît chaque vacances. Et moi, c'est grand-père qui est capable de rappeler au théâtre ça, à battre tambour, et puis on a fait pièce théâtre et chanter tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et finalement, je suis entré au niveau des lycées Saint-Vincent, de gain qu'on disciple qui était les 10 classes aussi. Avec, et 10 classes aussi avec Littner. Et puis, gros, monde est juste. Et n'est-ce pas, je me suis dit, bon, on bat pour créer un groupe théâtre. Même j'ai papa Pierre, là, qui chatte, que vous habituez à garder. Même j'ai avec et cowboy tout monde qu'on a gardé longtemps et puis c'est comme ça de là étant que nous touchons moyen économique nous on a comme que nous gagne rentre dans main nous pour aller à l'école que nous dit en acheter équipement que nous a besoin pour que nous mettre groupe ça sous pied de là étant vision avec que bien dans main nous on des fautement que nous fait nous une l'autre monde qui encourage nous acheter des équipements pour que nous mettre nous devenir créer un groupe qui les paysans la caille actuellement en 2013 et groupe là lui-même lui prend élan avec manager Jean-Max Cajus, Saint-Marc, maître Radio Max et crédit ça c'est pour Lilier qui était prend nous avec deux bras l'ouvrir. Il dit monsieur que moi nous gain talent et m'a permettre nous arriver côté que nous voulons. Et c'est comme ça il était accueilli nous, il était prend nous, il était mené nous, je dis en réalité que m'a vivre là à Paris. Et bien sûr bien malheureux que moi même avec les pas capable faire continuité là pour nous capable finir et avec carrière donc terminer vraiment. Parce que m'te vle, moi m'a fait le bâtiment car en phase divisée. Mais c'est pas faute nous. Et nous connaissons l'homme qui s'allie et la chair faible. Et le plus souvent, il y a des bagages où pensez pas qu'il y a vraiment. Et il y a des discussions qui ont fait entrer dans le groupe là. Et ça permet que moi-même, je vais me séparer avec lui, comme ça tout le monde qui était paysan là et tout. Et qu'on a moi-même avec sa muse, nous en duo là. C'est nous ensemble et qui mettons plaisir et qui est bêté là au niveau des chaînes internationales là. Une inspiration pour trouver une série de comédies comme ça pour faire un rigoler. Bon, inspiration normalement sortie en dans Languichat. En dans Languichat et son monde que je ne peux jamais oublier. Malgré qu'elle mourit, même pas jamais oublier. Inspiration sortie en dans. Son monde est très bien gardé, cowboy tout ça. Très bien gardé. Et c'est eux qui forcent. C'est eux qui, comment je suis capable de dire ça, qui c'est profil moins. Moun map suiv lan li pa lòt ke langi chat. La mer mer. Bon, projet ke m genyen et c'est que mwen teyat la li menm li tombe vraiment. Et surtout Haïti et longtemps nou te konjwenn une salle et cinéma, tant ou lò pou apò presse jeune Rex, ou jeune Triomphe, ou jeune Théâtre National. Et parce que bah ça parce que en fonction encore et pour c'est ma côté qu'on joindre et Ciné Colombe mais parce qu'il pas gagné encore et c'est dans ville moins Ciné Colombe parce qu'il pas gagné ça encore je dis encore tout capable afficher un DJ et m'entendre est-ce que c'est public là ou du moins génération qui pas intéressé avec théâtre là est-ce que c'est la nature tout qui fait normal nous-mêmes ou tant que comédien donc je ne vais pas afficher 2 3 4 comédiens qui vont faire comédie en don salle et théâtre cinéma côté que gien de monde qui gien des maladies pense la comédie c'est un plus gros traitement qui gien pour stress pour capable aider un paquet et c'est des monde qui n'a problème et ou pas besoin c'est n'a force qu'a venir 200 300 monde qui déplacer qui consacrer le théâtre qui consacrer les ça ça veut dire comédie pour un DJ là qui vient avec un bout de laptop qui dit bêtises qui dit des bagailles pense que longtemps pas qu'on habitué tant de pas qu'on voit tout. Ou on sera prêt à faire 2000 moun, 3000 moun, et puis braler. Et c'est maintenant côté pour venir en leçon. Ou attirer en leçon, ou est-ce que pas venir ça? Bon, je m'a posé tête, mais est-ce que c'est promoteur, ou c'est la nati, ou est-ce que c'est nous-mêmes artistes qui problème, là? Mais pour moi-même, moi, c'est jeunesse, là. Et pas nous-mêmes vraiment. Parce que si jeunesse, ça t'a intéressé avec théâtre. Bon, avenir artistique et ça m'a demandé un pile calcul. Ça et ça a un paquet de problèmes en dedans et un paquet de frustration tout.
Parce que ça les vie artiste en livre facile parce que moi pour ça me sibi pour ça que m'en dire dans carrière artiste moi parce que c'est des bagailles qui dégagent prend yon paquet de temps moi m'expliquer ça et c'est bien que m'gain pour me faire tout dans mon théâtre même pour me présenter ça sous mon vie et donc depuis souvent en tant qu'artiste ou qu'on a pensé matin midi soir pas dormi pour venir avec un bagaille de neuf et nouveau pour un public. Et sorti, ou pas qu'à entrer 5 gouttes là-dedans. Vous comprenez? Ou j'ai une pirate qui pirate. Vous comprenez? Vous comprenez? YouTube, vous avez tout le monde sur YouTube, vous avez sur YouTube. Bien que YouTube, même le fond de la chaîne, pour qu'il n'y ait pas de psychop. Mais il n'y a pas tout le monde qui gagne. Donc, vous même pas gagné. Mais l'homme fait épisode, vous avez sur YouTube, c'est gratuitement la vidéo. Vous nous gardez. Est-ce que vous comprenez? Je suis un channel vraiment qui peut dire que je suis un peu après un mois, mais combien de vues pour gagner pour juste pour jeunes frères qui sont là? Est-ce que vous comprenez? Le plus souvent, tout qu'on a joué, c'est pour bravo. Ou pas voulez passer, ou pas voulez passer, ou pas attendre, ou mon ami doit inviter là, ou t'as des amis, en tant qu'ami, qui vont jouer pour lui. Moi, c'est que je suis dans le premier commencement. Je suis joué pour manager avec tout le pays dans la caille. Groupe là, je suis en soi Saint-Marc. Je finis de jouer pour moi là, comme Saint-Marc, à pied mieux. Et fanatique qui saute garde mieux, prend taxi, des machines, des motos, et même dans l'arrière, ma chapi. Est-ce que vous comprenez? Même $3 taxi avec ma gagne. Est-ce que vous comprenez? Qui donc, et moun qui saute garde mieux sous moto, y'a des motos, y'a des machines, et moi-même cap travail, pour que moun remette yon produit. Vous comprenez? Yon prestation, que m'pas gagne comme blanc, franchement, moi-même pour fonctionner. Moun qui saute jouer, demain matin, c'est maman qui fait le coucou, on est pour mon soupe. On pas un cop dans prochain pour on a une soupe pain blanche mettez belle dedans les gars bon il donc c'est un véritable problème pour artistio et moi c'est artistio mérite valet et on veut pour artistio j'ai un autre cadre un autre encadrement devant et public là. Est-ce que le ministère de la culture a aidé nous? Mais bon regarde ça parce que nous même artistio de ma connine non sérieux faut me dire ça parce que nous pas j'aime Qui ça, ministère de la culture, t'as supposé accompagner, attention. Nous pas fini ça. Le plus souvent, nous connaissons le ministère de la culture, qui n'a pas de papier pour l'État reconnaître, non. C'est un problème, nous, pour une jeune papier, c'est un problème. Pour dire qu'il y a signe, c'est un problème. Et je comprends. Et moun qui peut faire jeune papier, des fois, qu'on va là. Ou t'es en voyage. Ou bien, il est dans la réunion. Ou bien, nous, on a fait 3 jours, et voyage, bon, on est en direct. Ou bien, qui donc, moi, c'est que son problème pour même artiste, moi, c'est non même artiste, faut qu'on passe à l'autre gens, et faut qu'on ait la précaution, tout, c'est parce que ça, n'a pas passé. Alors, c'était artiste, faire de même, et en groupe, non, pour que nous pensions, pour capable de venir avec notre bagaille, notre idée. Bon, et ça qui m'a demandé Fanyo, et m'a demandé toujours Kimbim, toujours, et l'homme petit Kimbim, et garder ça m'a fait, et pour te couder par nous, pour t'aider, aider par nous tout, parce que yon, si ça lié, et pas de ma pose, yon vle gen moun, kap di, jelere, m'ta vle fait tel bagay, avec fok de critique, parce que moi, le bagay gen critique, t'en ne permet que vin plus fort. Faut plus ces photos. M'a toujours demandé au Kimbe m'a la game supporter me et c'est grâce à eux que je dis qui fait là. C'est pas tu m'a là. Mais pour carrière m'a demandé toujours Kimbe bam bravo à persévérer aider me persévérer pour que me capable arriver l'autre côté parce que l'autre côté capitaine moi. C'est ta voix à moi. Est-ce que tu m'as talent haïtien? Non, c'est ma fille. Bon, si chanter, nous connaissons. Si nous agirons, on va les inquiéter. Bayonne, pour y mettre. Oh, nous allons chanter mon pari. Non, c'est pas la même chose, seulement. Hein? Est-ce que mon pari? Mon pari, c'est une gira pour les morts. Regardez ça, le poids, lui-même. Hodi mata, comment dit mata? Macao? Parle macao, Macao, le truc avec le monde. Si t'as pas la moue! Comment tu sais, il faut que ça la dé?
On applaudit M. Tamini, on applaudit Généré, le paysan, le Saint-Marcois. La soirée continue. Et sous vos applaudissements, nous saluons tout le monde média télé, nous saluons tout haïtien qui est à Paris. C'est un plaisir pour nous participer dans le deuxième festival du rap à Paris. C'est un plaisir pour nous là encore. Donc, nous avons une joie, nous. Et c'est une belle initiative. Nous pensons que chaque année, depuis au fait, depuis qu'il y a possibilité que nous là. Oui, c'est possibilité que nous là. Alors, nous, ouais, que c'est vrai, le public là présent. Comment on sentit enthousiaste public Paris pour le deuxième festival ça? Mais voilà, femme de chaque année, je viens jouer à Paris. Et je sentis que la carrière parce que grand pile haïtien qui est déplacé. Et nous faisons ressentir que qui bagaille qui a passé la carrière. Nous passons grand pile monde sur internet et dans la télévision, mais que les gens ont entendu l'histoire dans le bouchou. Donc les bien content toujours. Donc c'est un plaisir pour me retrouver tout haïtien pareil. Donc dans le spectacle, ça, nous vraiment déplacé un grand homme pour venir supporter nous. Ça c'est un grand plaisir pour nous. Alors expliquez-nous en quelques secondes comment vous avez une idée pour venir artiste commencer à faire théâtre pour mon rigoler? Comme je depuis l'école bagage ça comme depuis l'école bagage ça a commencé, depuis l'école. Donc même depuis là m'étais dans primaire, m'étais toujours à bail blague et tout ça même qui vient connait je dis à son pasteur blaze dit que ça et faut que tu as salé je dis parce que toute famille m'aime bail blague maman sem les nous réunion ensemble et la caille nous donc c'est blague nous bail. Donc c'est pas un bagage vraiment m'étais à l'école pour lui mais son bagage qui était ensemble mais depuis l'école m'pas de vrai monde qu'on baï blague passé mais non pas ce blase assez un ans même qui est les Jackson et négio pendant nous film de football et puis nous bien nous chita n'a manger comme calé comme ça et puis chaque nèg a baï une blague et puis même c'est blague l'église m'a baï négio ça même ça parler là c'est son on pasteur blasé ça blasé fidèle non sorti comme ça depuis là ça et ça m'a dit ces bagages qui passé en 2004. Et puis en 2005, nous allons commencer à prendre tout Haïti et puis nous allons commencer à jouer à l'échelle internationale. En plus, nous ne pouvons pas faire des cas et tout pour que sur Facebook il y a nous ne pouvons pas jouer. Donc, si vous n'avez pas sur Facebook, vous pouvez donner le problème de l'OL. Où tu vas faire pour ta prime? Parce qu'on règle toutes les jeunes femmes sur Facebook et habitées. Femmes n'ont juste au cas et la chat avec vous n'êtes en Irak. Ou des grenades. Il y a cherché diaspora. Diaspora. On aime là en Haïti, on va jamais chat avec. Quête maman. Le reste de la diaspora, il va être sur station. Oui, une puissance CGS, nous va dire qu'elle fait nous. Ça veut dire qu'on va aller debout. Aller debout et pas non. Messieurs, mesdames, par ailleurs, on règle Haïti. On plate manger pour nous à son ballon d'or. On va manger pour nous à. Chien était comme ça. Et vous faites comme ça, coucher à cacassé. Tellement fixé. Haïti, vous n'avez pas gagné, vous ne pas suivre lui l'enfant. C'est l'or et l'enfant. Pour voir si vous avez un soir fait manger. Très important, artiste Pasteur Blasé, ouais, peuple a suivi vous un peu partout. Dis-moi qui artiste qui inspire vous, qui faut capable de continuer. Non, même moi, mais tout artiste haïtien qui a fait mon rire, même pas un artiste qui fait m'inspirer. Parce que, parti par maintenant, je suis un monde qui a fait blague sur l'église. C'est la première fois en Haïti où je suis un jeune qui a fait blague sur l'église parce que blague ça a osé. Parce que l'homme fait paraître avec blague ça a osé. Quand il passe pas content, il dit, ah monsieur, avez-vous mis ta faire nous dehors? Même pas aucun artiste qui inspire, moi maintenant Richard, moi maintenant des papa Pierre, et Dibreïs, moi maintenant de tout le monde ça. Donc, je pas un artiste qui t'inspire, donc je la venir tout naturellement. C'est quelque chose de grand, de prodigieux, mais expliquez-nous, c'est quoi, comment on fait pour trouver inspiration pour comment peuple, on comprend. Ok, inspiration, il vient à partir de société. Et qui gens ça qu'a passé autour de nous mais là m'était fait commencer m'était commencé seulement dans l'église mais qu'on a mélangé cadre là m'parler de tout et de rien de tout ça qu'a passé un pays tout bagaille qu'on qui a fait monde mal tout ça qu'a fait monde bien nous transformer yo dans façon pas nous pour nous faire monde rire mais actuellement
Pasteur Blaise est plus un artiste qui est engagé. L'homme dit engagé, je ne gagne pas dans la politique, non. Donc, m'engage dans les gens que mon pays a souffri, dans les gens que le pays a passé misère. Donc, nous faisons blague sur les leaders politiques, sur le parlement, sur les parlementaires, nous faisons blague tout, sur le président, sur tout le monde. Donc, c'est le pays, l'environnement qui inspire. Mais qui a venu pour les artistes haïtiens en Haïti? Donc, ça m'a manqué un cadeau, moi. Trois hypocrisie, et un marché qui est très, vraiment informel. Marché Haïti n'est pas vraiment comme si connu, il n'est pas rentable. L'offre est si dit, et si Dieu n'est pas vraiment bon, il peut acheter bootleg si Dieu n'est pas vraiment bon. Donc, on connaît l'artiste à lui, il faut l'entrer pour qu'il y ait un CD, il faut qu'il y ait un répertoire, c'est des produits, c'est des œuvres, ils vivent. Donc, moi, jusqu'à présent, avenir, business, musique ou bien avenir, artiste haïtien, vraiment, il est vraiment minime. Donc, il faut que tu aies un gros travail qui vous a fait. Parce que le marché nous est vraiment maigre sur le plan international. Donc, même national, des fois, nous n'avons pas acheté CD même. Donc, est-ce que le ministère de la culture haïtienne aide nous? Non, pas aider nous. Donc, les artistes sont sortis comme ça, pas aucune instance qui aide. Bon, regarde si je mette comme si et ça sur Facebook, ou bien me disant que je suis parti. Oui, pas de monde qui connaît dans le parti. Pas de monde comme si même nous, ou t'as dit, ou t'as quitté le pays, pour aller demander l'aide pour dire aide ou. Ou pour aller d'où. Donc, tout le bagaille, artiste, comme si, c'est parce que vous remettez ça à faire, qui fait la donne. Donc, un artiste haïtien, le plus souvent, il n'est pas qu'à vivre seulement œuvres, des artistes seulement, parce que le marché est vraiment maigre, et puis, le produit n'est pas vendu. Donc, grand pile problème. Est-ce qu'on va aider comment que le problème, c'est qu'à. C'est qu'à résoudre pour structurer le réseau en cadrage artistique. Donc, je pense que l'instance concernée, le ministère de la Culture, c'est qu'à faire mille dans la cause et font gens en cadre artistique. Et le Parlement qui était artiste, je vous dis, il faut que tu votes une loi pour artistique. Et de côté que même le corps a prêté pour organiser le spectacle. Ok? Il y a besoin. Donc, artiste, ça conseil des privilèges que vous avez quitté le pays. Donc, pour le ministère de la Culture et LDO, donc nous n'avons pas besoin de ça. Donc, même c'est ça que je et conseille pour vous faire. Sinon, artistes qui viennent derrière et tout. Donc, pas de route qui a fait pour vous, vous découragé. Donc, nous-mêmes qui là, nous souffrons en pile. Donc, nous ne pouvons pas remettre artistes qui viennent derrière vous, comme si vous ne pouvez pas se miser même avec nous. Ils ont avec toutes les fans qui ont suivi depuis le début de la carrière. Et vous me dites, nous avons commencé depuis en novembre 2005. Donc, en novembre, je fais 15 autres carrières. Donc, je vais dire, je fanatique. Et je ne vais pas me décourager, je toujours travailler. Je vais aussi sortir, qui est l'évangile mafia. Donc, je viens avec deux ou trois là, je vais passer là. Je vais dire, continuez à suivre sur Instagram, Pasteur Blaze, Facebook, et page, c'est Pasteur Blaze. Actuellement, nous avons 100 000 personnes qui suivent nous. Donc, page là, nous faisons publicité tout, ou même qui gagne produit, ou artiste qui gagne vidéo, ou même qui gagne business, ou qui a toujours écrit nous dans 36 97 97 05. Donc, pour rester en contact avec nous, parce que son façon tout, et pour nous rester en contact avec le public. Là. Merci beaucoup pour l'opération, et puis ce que vous encouragez, votre travail ça va faire, pour défendre par une valeur entre Païsien dans le monde entier. Merci à Télémédia, nous bien recevoir. Merci à tout le monde de Paris. Donc, nous, un grand pile haïtien qui travaille dur vraiment. Nous ne connaissons pas facile Haïti, même Paris, il n'est pas facile tout. Nous disons merci de ce que vous accueillez nous. Nous avons toujours venu et nous disons Télémédia, qui est là par la guerre. Mes amis. Quand tu es au le pasteur là n'est pas assez basé, mais c'est l'église qui va me prendre. Tout n'a pas dit, n'a pas dit. Il dit, vous ne pouvez pas être volé. Mais on l'a le salle, quand tu es au calme, il y a toujours. Il y a pas la bonjour, Si je n'en commençais pas les doigts,
pas. Il y a pas ce qu'on nous commissait quand même. C'est pas comme on nous commissait. C'est pas comme on nous commissait. C'est pas comme on nous commissait déjà. La mer à verre. Alors, lui, il y a qu'à passer. Quel côté mondial. Fasse lumière. Bon, en fait, c'est pas la première fois que nous avons joué à Paris. Et je pense que ça, c'est la deuxième édition qui va être là. La première édition que moi j'étais là, et accompagné avec Edmond, qui est collaborateur moi, dans le journal Tête pas droite. Et dans la deuxième édition, là, je suis accompagné avec Pasteur Blasi. Et moi, c'est Pasteur Lipengsou dans le rôle que moi joue avec Pasteur Blasi. Hein. Alors, ça, c'est pas la première fois que nous avons joué à Paris. Je pense que c'est une belle initiative. Et même que. J'ai envie de démarrer toute situation, tout ça, c'était une belle initiative. Alors, quand on veut une inspiration pour faire comédie, théâtre? Bon, inspiration, elle est tout naturelle, elle est pas tout naturelle liée. Par exemple, on n'a pas qu'à chercher un bagage qui n'est pas tout naturel, là, ou même qui passe le blasé, tout naturel, on ne peut pas dire que j'aime quand on fait ça, parce que la paix, je ne veux pas dire ça que m'a fait aujourd'hui, là. C'est tout naturel lié, bon, on ne pas chercher dans le chercher, mais tout naturel, c'est-à-dire à la seconde bâton. Elle dit tout naturel, inspiration en nous. Ouais. D'accord, c'est vrai, c'est une bonne inspiration. Et puis, son bagage lié de plus, pour capable faire public la rue, vous comprenez? Mais comment on sentit ça, ou que vous avez un plaisir? Bon, on sentit ça même très bien. Parfois, nous-mêmes, en tant que comédien, c'est vrai, on a fait mourir, nous ne voyons jamais le monde qui a fait mourir. C'est ça, on ne peut pas comprendre. Nous-mêmes, comédiens qui a fait mourir, parfois, nous sommes là quand nous sommes stressés, nous ne pouvons pas jouer le monde qui a fait nous. Mais ça me dit non, ça a dit bon. Vraiment bien. Nous avons des problèmes tout. Oui, nous avons des problèmes tout, mais nous avons des problèmes. Les gens ont des problèmes. Tu vois, par exemple, dans l'espace qui est là, il y a plus de monde qui vient jouer là qui est un problème. Nous venons là pour faire rire et nous faire rire. Mais nous, les comédiens, nous avons des problèmes tout, nous ne pouvons pas jouer le monde qui fait nous. C'est pas comme si on comédie, pas comme si quand le pasteur blasé là, nous sommes vraiment stressés là parce que par exemple, on dit nos bagailles. Je suis tombé parce que ça a dit un rapport avec mon adam, moi je suis passé le blasé là. Je me dis non, je suis tombé pendant que j'étais stressé parce que ça me dit un bon mon adam. Mais vraiment, franchement, faire mon riz, bien qu'il a fait mon riz, c'est pour moi qui est facile. Puisque ce que je dis en public, je mets des publics haïtiens, ce sont des publics qui sont difficiles. Ce sont des publics qui sont très difficiles. Là, comme si on récitait un public haïtien, comme si cap qui n'a bien compris. Wow, on met dit merci qu'ils font beau travail parce que c'est un public qui est vraiment difficile. D'accord, je comprends. Après, deuxième festival sans participer, si vous comprenez, c'est ton gros déplacement qui vient à Paris. C'est vrai pour valoriser la culture haïtienne. Si projet vous avez encore pour faire. Eh bien, projet que nous avons pour jouer la Guyana en novembre. Ouais. Aussi pour nous jouer la Guyane en novembre, là, toujours Pasteur Blasé, Pasteur Lipengsou. Nous avons possible pour nous jouer en novembre là, la Guyane. Ouais. Parce que c'est après activer ça, c'est activer ça, nous qui est en cours. Mais nous avons l'autre activité qui est venu. Mais activer qui est en cours là, c'est activer la Guyane là, possible pour rejoindre Pasteur Blasé, Pasteur Lipengsou dans la cour Guyane. D'accord. Félicitations. Qui sont les dix fans qui ont suivi partout sur le web international? Même ça que m'a dit fan, c'est Exode Tête pas droite qui m'a dit plein de soins. Et je pensais que comme si fan, je ne vais jamais me décevoir. Je vais toujours nous plaisir que m'a dit nous. Et je toujours dit nous, continuez à le sous page Exode Tête pas droite pour tout ça Exode Tête pas droite faire. Soit c'est dans le journal Tête pas droite et Pasteur Lipengsou et même bientôt. On a dit on a sous page Pasteur Blasé hein, et après tout ça Pasteur Blasé fait même déjà que j'aime dire al sous page Exode Tête pas droite fan après tout ça Exode Tête pas droite fait Exode pas droite qui vient by Lipengsou je ne joue dire là et bon Pasteur Blasé c'est comme dit on voit pour mon cap sur la Pasteur Blasé c'est un ami qui vient de la Chine. Il vient faire un pile bail à la Chine, vient acheter pile commerce pour l'église, pile pour finir les croisades avec madame Pasteur Lipengsou. Et souvent, je parle de créole comme ça, là, c'est grâce à Pasteur Blasé qui apprend à parler créole. Et je suis vraiment à l'aise pendant que je parle créole. Là. C'est comme si je suis haïtien, même son chinois noir. Et il faut me dire que Pasteur Lipengsou, c'était en 2015, je croisais avec la Chine. Et puis, je suis avec l'Haïti. De l'Haïti, je viens en France. Donc, si je parle créole, c'est grâce à moi. Si je dis de toi, je suis chinois. Tout. C'est grâce à Lipengsou. Donc, je dis. Et on va faire Lipengsou, dis-nous de quoi tu m'as. Et nous avons une idée de Pasteur Lipengsou.
Ils disent un gros travail que les médias font, qu'on continue de supporter artistes. C'est ça libre que l'on a dépassé pour venir supporter le pays. Donc c'est qu'il pays a venu lever très haut. Il dit que les gens qui ont péché dans la tête ou dans l'air, et ont coupé la tête. Il dit, vous êtes mon pasteur. Donc, très bien, tout le monde vient prêcher dans l'église. On dit que nous avons tout le monde qui est avec nous là, ces hommes et nous, donc les télémédias font un gros travail à la France. Donc nous pensons que l'image ça, il va arriver de tous côtés dans le monde, afin que nous avons l'hypnose sous pasteur blasé, exalté par droite. Ami Manachana, donc monsieur a fait un gros travail là pour Paris. Et puis nous venons ici avec nous, nous sommes virés. Donc c'est comme ça bagaille dans la coupe Paris. Il dit merci en pile, les mêmes qui retournent en Haïti parce que c'est la Ligue qui s'est basée et la plus en Chine. Merci que les médias pour le gros travail qu'on fait. Tinja. Merci beaucoup. Vous allez parler. On coupe pas sur le modèle. Ma profite de nous assoir. Il vient avec un paquet de city pour nous. Ma prenne nos chers, 5 euros seulement. L'homme dit euros, c'est pas euros de l'indépendance. Christophe Cabral, l'amour, avec la carité. C'est euros Macron. Attends, Walima, Michina. Oh, Signao, Asignao, Atenamato, Asignao, Asignao. Il dit à ce qu'elle va sortir, c'est pas comme quoi tout le monde a fait là. Oh, Signao, Atenamato, Atenamato. Il dit, garçon, pour fond, nous tout a passé par où. Oh, Signao, Atenamato. Il dit, d'ailleurs, pour l'équipe, il y est. N'importe qui n'a pas ça. Non, je menti à moi. Depuis que je fais trois gouttes d'eau, je fais tout de suite. Oui, et je dis, nous devons vous faire maintenant tout le monde. L'arrêt, pas qui m'en fait. L'arrêt, pas qui m'en fait. On a des couches là. Je ne vais pas me garder maintenant. Je suis à 79 ans. Et l'autre. Mais c'est ma tante, c'est là où tu ne sais pas où est-ce que tu es. C'est pas où tu es maintenant. Ton est moulé. Bon, où est-ce que tu es? Oui. Bonsoir mon cher Verde, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous recevoir, de vous entendre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous êtes à la veille de votre départ pour Haïti. C'est vrai que là, je me suis fait tout petit parce que j'avais un truc personnel à régler. Donc le grand public ne savait pas que j'étais à Paris. Mais j'ai tenu ce soir à marquer par ma présence ce spectacle, le Festival du Rire, qui a lieu ici à l'Espace Lumière. Donc ça me fait plaisir de retrouver ce public parisien, de retrouver des amis de Paris que je n'avais pas vus depuis quelques temps. Parce que depuis bientôt 7 ans, je suis installé en Haïti. Eh bien là maintenant, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici. Dites-moi, c'est tout l'essentiel. Alors, qu'est-ce que vous faites d'Haïti actuellement? Eh bien, je fais plein de choses en Haïti. D'ailleurs, j'enseigne dans une école de commerce, la logistique, le transport et la gestion des stocks. Je fais de la radio, oui. Je travaille sur Radio Solidarité. Je présente une émission qui s'intitule Paradoxe. Ensuite, je viens d'ouvrir un restaurant à Fontaine-Nègre. C'est ANJ, bar, restaurant dansant. Eh bien, voilà, entre autres, ce que je fais en Haïti. Et vous ne faites plus de politique? Je suis toujours dans la politique parce que je suis quand même le conseiller en communication de la mairie de Fontaine-Nègre. Et on va voir comment ça va se passer pour les prochaines élections. D'accord, c'est très bien tout ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous ces fans qui vous écoutaient beaucoup sur Espace FM et puis qui vous aiment tant pour tout ce que vous faites pour la communauté haïtienne et aussi pour tous les Haïtiens? Bien, je vais dire à mes anciens fans que je me porte très bien et qu'Haïti me va très bien et que je pense régulièrement à eux. Et puis, bien, je leur souhaite de rester fidèles quand même à Espace FM, voilà, parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur cette belle radio. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils abandonnent. Tout l'espoir, il prend du Viagra. C'est vrai, ça ne fonctionnait pas tout le temps, mais ça marchait à des moments. Mais ma mère, elle était monotone dans ses cris. C'était toujours la même chose. Et là, mon père, il est là. Tu vois, ça
c'est mal. Tu vois, t'as un peu de pitié pour la personne. Tu enlèves. Et elle fait, oh, tu vas où? T'as déjà fini. Du coup, t'es déstabilisé, t'es stressé, tu sais pas. Oh, et je remets, j'enlève. Bah, déjà, c'est avec un grand sentiment de bonheur que je l'ai fait, le fait que j'ai cette opportunité pour jouer pour ma communauté. Moi, je suis arrivé en France, ça fait pas longtemps, je suis arrivé il y a un an. Donc, j'ai déjà eu cette chance de jouer en mai dernier, c'était pour un autre festival. Et là, que cette équipe, ils ont fait appel à moi pour que je puisse jouer pour eux, ça me fait grand plaisir, quoi. Donc, non seulement tu apprends à découvrir des gens qui ont une culture pareille que toi, des gens qui sont proches de certaines blagues que tu vas faire, etc., qui partagent les mêmes histoires que toi, tu as vécu dans ta vie, etc. Donc, pour moi, c'est une très bonne ambiance et pour moi, c'est le meilleur, quoi, c'est, que je peux faire. Alors, être comédien, c'est, comment je peux dire ça, c'est un truc qui m'a saisi sur les bancs de l'école, donc avec les professeurs qui devaient avoir des travaux pratiques à faire, etc. Donc, ils commençaient à te donner des petits rôles, etc. Et à partir de ces rôles-là, je prenais goût. Et l'autre chose, c'était en 2001, parce que moi, je suis né dans une petite ville à Limbé qui s'appelle... dans une petite ville d'Haïti qui s'appelle le Limbé, pardon. Et juste à côté de chez moi, à moins de 500 mètres, il y avait une bibliothèque. Et cette bibliothèque, qui faisait pas mal d'activités culturelles et ça m'a permis d'entrer en contact avec des artistes qui venaient de Port-au-Prince, qui venaient faire des représentations. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est un métier intéressant, c'est un métier que je peux faire. Et je me rappelle que la première pièce professionnellement que j'ai vue pour dire le théâtre, etc., c'était une pièce de Franck-Étienne qui s'appelait Funky Fura, qui a été jouée par deux comédiens récents. Et c'est Billy Midi et Schneider Laurent, si je ne m'abuse pas. C'est à partir de ce moment que j'ai eu ce déclic pour dire, ok, là, je vais devenir un comédien, etc. Ça va bien? J'entends pas. Est-ce que ça va? Ouais! Ok, on va refaire l'entrée parce que j'ai pas du tout aimé. C'est là, ouais, on attend. Moi, je suis en bordel ce soir, d'accord? Ok? Vous allez rouler par terre, vous allez rigoler comme des haïtiens avec vos cuisses de poulet, ça va, ouais, ok? Vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on refait l'entrée? J'ai écrit un que je dis, ok, je vais aller là, je vais aller sur des points que peut-être que les gens ils s'y attendent pas. Mais l'inspiration, ça vient de la vie normale, ça vient de... C'est, les inspirations, c'est pas des inventions forcément, c'est des choses qui ont... Alors ce soir, mais je vous assure, c'était un peu dur pour moi du côté public. Déjà, il y avait une configuration de la salle qui n'était pas trop satisfaisante pour moi, mais après je trouvais que les gens ils étaient là pour rigoler, ils attendaient et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner le maximum et ils répondaient quand c'était marrant, que c'était bien, et c'est pour moi, j'ai rien à reprocher du public et c'était bien pour moi. Quels sont vos projets d'avenir? Là, moi, je joue mon spectacle, mon one-man show. Là, je reprends un deuxième one-man show parce qu'avant, j'étais venu avec un spectacle qui s'appelait Tais-toi, papa, maman est là. J'ai arrêté pour des raisons, le fait que j'ai changé beaucoup de sketchs qui ont plus de rapport avec Haïti sur la politique haïtienne et je voulais être plus dans l'universalité. Mais à partir du mois de novembre, je reprends un autre spectacle que déjà j'ai testé. Et le mois dernier, pendant une semaine, j'avais fait à la Comédie d'Alarac. Donc à partir du mois de novembre, je vais jouer tous les dimanches à 19h. Ce sera à la Comédie d'Alarac, qui est dans le deuxième arrondissement. Donc voilà, c'est ça mon projet avec l'humour en ce moment. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à ces fans, on va dire la France, Haïti, qui vous suit à travers le web?
Qu'est-ce que je peux dire? La première, c'est que j'attends vos encouragements. J'attends que vous faisiez partie des premiers qui ont vu ce cheminement. Je sais qu'en ce moment, c'est un parcours qui demande beaucoup de choses, qui demande qu'on apprend de ses faiblesses, qu'on apprend des critiques, qu'on apprend des retours. Moi, ce que je peux dire, n'hésitez pas à venir me voir, même si vous pouvez avoir des doutes pour dire « Allez, je connais pas, il n'est pas encore une star, il n'est pas assez connu. » Mais pour être connu, il faut que vous soyez assez curieux pour me donner cette crédibilité et prendre cette prise de risque et de venir voir mon spectacle. Et aussi, de à chaque fois que vous venez voir mon spectacle, mais de ne pas hésiter d'aller soit sur ma page Facebook, c'est Christolin comme mon nom, j'ai pas d'autres noms d'artistes, etc. C'est juste d'aller et d'écrire des commentaires et de dire ce que vous avez pensé. Si vous avez aimé, vous dites. Si vous avez pas aimé, il faut le dire aussi. Et c'est tous ces critiques qui vont m'aider à construire pour demain, pour construire l'acteur que je vais être demain, quoi. C'est juste à moi je serais heureux et j'attends ça. J'attends qu'un jour que la communauté haïtienne ils ont une référence, tu vois. Ils disent que voilà, il y a ce jeune qui était venu avec une mission, qu'il a commencé et nous étions là derrière lui, on lui a donné tous les supports nécessaires. Moi, à chaque fois je fais mon spectacle, s'il y a 100 000 haïtiens qui vivent seulement en Île-de-France, si j'ai la chance au moins d'avoir 500 qui viennent voir mon spectacle et qui se fait accompagner d'une ou deux autres personnes d'une autre nationalité, c'est déjà 500 fois 2 de gens qui vont me voir, qui vont prendre cette position-là, etc. Voilà. Merci beaucoup pour votre coopération. Merci à vous, merci à Clin d'œil. J'espère que les gens ils vont jeter un petit clin d'œil sur ma page Facebook aussi. Sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, sur YouTube. Et on peut voir des extraits de sketch, etc. Parce que parallèlement, moi, je fais aussi du théâtre. Donc n'hésitez pas. Et encore, je suis ouvert à écouter les critiques, à les prendre et à aller plus loin. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Même moi, ce qu'il a perdu, qui est celui-là. Ou pas un petit président, vous votez pour moi, vous prenez le boulot. Monsieur, que ma patte. Il dit, ou pas un petit président, vous chéri, pour ton punaise, ma prenez le boulot. Comment c'est ça? Monsieur, me mets ton seul pouce pourri, monsieur, me pète pote. Nous pourrions sauter, monsieur Negla, c'est ton nec bim, la police nationale. Pas pour la dénure, pas besoin de nous. Et nous, on est tout le chat par les sous. Et nous, pas pour mettre sous nous. Tout le monde, nu comme un verre. Parce que vous savez qui dit spécialement, Patricia qui dit s'amuse, nous voulons bailler même blague de bailler là, parce que le public là, va ensemble avec nous. Eh bien, si nous allons bailler, c'est si. Nous allons présenter nos messieurs tout à l'heure là qui sont réconciliés ensemble avec nous. Est-ce que nous sommes Jomia? Nous campons dans le portail là. Et puis monsieur a vu une jeune, il dit, ça vous soit perdu du bail. Il dit, oh, j'en comprends la bail, c'est pour rien. Mais qui est-ce qui n'a pas parlé? Je parle ensemble avec monsieur. Hein? Ouais, moi-même, depuis que j'ai un sentiment pour lui, m'a privé sur nous quand même. C'est Peuple s'amuse. Et déjà, monsieur, tous les amis qui ont regardé là. Et artiste, c'est une artiste très connue que nous connaissons, nom Peuple s'amuse et Timothée Samuel. Donc son plaisir aujourd'hui à vous ensemble avec nous à Paris, côté que nous allons offrir un spectacle vraiment sérieux. Tout à l'heure on tape joué rôle Tonton Lubin, mais qu'on est à nous arriver et dans rôle préféré nous qui c'est Peuple s'amuse. Donc un peu de monde peut-être qui va connaître Peuple s'amuse, mais voici. Je suis à Paris maintenant. Merci. Est-ce qu'on comprend ça, Président? Il y a une estime pour moi, un sentiment pour moi, car il y a un sentiment courant qui sort dans l'écran de la moindre. Ah, les gars, c'est ça. Nous allons arriver sur les glaces, nous allons arriver sur les glaces, sans les glaces, pas t'attendre, je suis sûr. Et puis, quand on va parler ensemble avec les glaces, il faut nous trouver que nous avons une grosse prestance. Et puis, les glaces, sans une prestance qui j'aime, car il y a un sentiment pour le monde de ce truc. Moi, j'ai pris le même chien. Vous n'en avez pas parlé, monsieur, à parler ensemble avec moi. Et même ça, c'est pour la gare qui marche dans moi-même. Et puis, moi, je vais rentrer sur monsieur, avec vitesse, comment vous me passez? Et puis, je commence à chanter, je me dis,
Hello, bon sang. Hello, 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 bon sang. Besoin de police pour ma pour bon sang. Alors qu'il n'a même pas promené. Est-ce que vous entendez? Moi, comment ça pour dire hello, bon sang. Hello, hello. Ça va me bouler, là, je vais passer. Besoin de police pour ma pour bon sang. Alors qu'il n'a même pas promené. Bonsoir Monsieur Verne et bonsoir encore aux téléspectateurs de Clin d'œil TV. Effectivement, donc on est là ce soir pour le deuxième festival du rire haïtien à Paris. Et c'était un défi. L'idée c'était de ramener les personnes, les humoristes qui, de toute façon en Haïti, malgré les manques de salles, les manques d'espace pour les activités culturelles. Donc c'était pour nous un devoir de ramener ici à Paris ces artistes-là qui sont passés de présentation bien sûr sur la toile, mais c'était une occasion pour nous de les mettre visiblement, physiquement sur scène pour que le public parisien puisse apprécier leur talent. Et c'est ce qui vient de se passer ici au deuxième festival, à la deuxième édition de ce grand festival du rire haïtien à Paris. D'accord, je sais que c'était pas facile, mais comment vous avez pu faire pour que tous ces artistes puissent réunir sur ce même plateau? Eh bien, comme vous savez, Monsieur Venn, dans toute situation, il y a toujours une question d'argent. Et pour réaliser ce grand festival ici à Paris, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de fatigue, ça demande également beaucoup de dépenses. Mais étant donné qu'on est 4 associés sur cette édition, je salue au passage Jean-Marie Fizemé, un brave, un courageux, qui est toujours là, l'homme des Miss Haïti de France, l'homme des Miss Haïti International ici à Paris. Et avec Jean-Marie, on a réalisé la deuxième édition. Je salue au passage aussi de Monsieur Enel Jacquet, un infatigable de la ville épinée, quelqu'un qui travaille dans cette ville, dans cette mairie. Avec Enel Jacquet, on a pu en 2 occasions permettre que ce festival reste sur Épinée, sur scène. Ça, c'est à féliciter. Et puis cette année, nouvellement, on avait Anel Lafleur. C'est un jeune comme nous qui travaille puis qui vient, qui a trouvé l'idée, était fantastique. Et lui, il se met avec nous pour faire en sorte que ce deuxième festival puisse avoir lieu. Parce que dans un premier temps, il a fallu mettre de l'argent ensemble pour faire venir ces humoristes d'Haïti, des États-Unis, et ensuite les héberger ici, leur donner des cachets pour que eux personnellement, ils puissent vivre véritablement de leur talent. Donc c'est ce grand défi qu'on vient de se relever ici à Paris, et d'ores et déjà on annonce au public que la troisième édition va y avoir lieu, parce que c'est un défi, on aimerait bien et que cette édition soit... alors quand je parle de cette édition, les éditions de Festival du Rire restent un label pour les Haïtiens, parce que ici à Paris ou bien ici en Haïti, il n'y a pas que le compas, il n'y a pas que de la musique, il y a aussi le théâtre. Et bien nous autres, on s'est donné comme défi de faire du théâtre un élément comme de la musique pour que les gens puissent apprécier, pour que les gens puissent consommer, parce que c'est du talent. On n'est pas tous nés musiciens, on n'est pas tous nés footballeurs, on n'est pas tous nés et sénateurs, députés, présidents, mais s'il y a des gens qui exercent le métier d'artiste, le métier de comédien, ben il faut qu'on trouve les bons éléments pour les mettre ensemble pour qu'ils puissent vivre véritablement de leur talent qui n'est autre que de donner du plaisir à tout un public fatigué de tout ce qu'on entend en Haïti, fatigué de la politique, fatigué de l'économie, fatigué de la situation catastrophique du pays. Mais quand on a une occasion de les mettre ensemble pour rire ensemble, pour au moins dégager beaucoup d'émotions, pour au moins dégager les stress qui nous détruisent, les stress qui nous donnent de la diabète, qui nous donnent toutes les maladies impossibles, eh bien je pense que cette idée de festival, c'est un sérum, c'est une thérapie pour les Haïtiens, parce que avec le théâtre, avec le rire, on peut guérir pas mal de maladies. C'est vrai. Comment vous sentez le fait, c'est vrai, d'entourer ces artistes et puis de promotionner la culture haïtienne au sein de l'Europe?
Oui, comme je dis, donc on est toujours dans la culture haïtienne, parce que la culture haïtienne, comme je dis, ce n'est pas que le bal, ce n'est pas que de la musique, il y a aussi le théâtre, il y a aussi la comédie et aussi le cinéma. Vous voyez, en Haïti, il y a plus de salles. Avant, on avait Capitole, on avait Rex Théâtre, on avait Lido, on avait Impérial. Ce sont des salles de cinéma. Malheureusement, aujourd'hui, il y a que le Ciné Triomphe qui est converti, on peut dire, qui s'est transformé en salle de théâtre. Mais malheureusement, cette salle n'est pas encore disponible pour la population, pour que les fans de ce genre de culture aillent s'exprimer, aillent se divertir. Malheureusement, on n'a pas cette occasion aujourd'hui. Mais nous autres dans la diaspora, eh bien, on s'est dit pourquoi pas. Même s'il n'y a pas de salle en Haïti, eh bien, nous, on peut faire venir les artistes, parce qu'il y a un public ici en France. Parce que quand on regarde au Canada, il y a le festival, il y a le festival du rire. Ce festival a été en Haïti. On a vu performer beaucoup d'artistes haïtiens. Eh ben, Jean-Marie et moi, Enel et les autres qui font partie du comité organisateur, on s'est dit pourquoi pas. Même si ça va nous coûter beaucoup d'argent, mais l'idée, c'est d'imprégner dans cette communauté, dans cette diaspora, cette façon de vivre notre culture. Parce que, comme je dis, il y a des gens qui sont pas nés et musiciens. Il y a des gens qui sont pas nés footballeurs. Il y a des gens qui sont pas nés volleyeurs et tant d'autres sports. Mais étant donné qu'on a des personnalités qui trouvent aujourd'hui l'Internet, grâce à Internet, et ces personnalités arrivent à rentrer dans les maisons de pas mal de gens, et bien nous autres, l'idée, c'est de les faire venir physiquement ici en France. Et comme je dis, et comme dit Jean-Marie, comme dit les autres, c'est un festival qui va être exporté à travers le monde. Bientôt, déjà en primeur, on a la Guyane pour décembre. Donc, ce qui signifie, on a fait Paris. On aura la Guyane en décembre, au mois de juin prochain ou bien septembre prochain, on aura la troisième édition ici à Paris. On est en train de négocier pour voir si les dates sont disponibles ici à l'Espace Lumière. Parce que l'idée, c'est de garder ce festival ici à Épinay. On sait bien, les Spinaciens sont beaucoup comme haïtiens. Donc, il y a pas mal d'haïtiens qui sont Spinaciens ici. Donc, on va essayer de ramener, de garder ce festival ici à Épinay. Et bien, pourquoi pas, d'ici l'année prochaine, d'ici 10-15 ans, ce festival va devenir ce qu'on appelle une institution dans la communauté, une institution dans la diaspora. Et comme je dis, des artistes que les gens viennent de découvrir, qu'ils ont l'habitude de voir sur Internet, comme Samuse, comme Djeléré, comme Blasé, qui est à sa deuxième édition, et bien, ces personnes-là vont quand bien même arriver à vivre de leur talent, parce qu'il n'y a pas que la politique qui paye, il n'y a pas que faire des manifs qui payent, mais quand on a un talent, on est artiste, on est comédien, si on arrive à vivre de cela, mais nous autres, on est pratiquement, on s'est lancé dans cette situation, mais malgré ma casquette politique, on sait bien, mais je pense que c'est de cette façon qu'on va arriver à sortir les gens. C'est pas de donner 20 euros ou bien 20 dollars à une personne qu'on va dire effectivement qu'on l'aide. Mais je pense que c'est quand on va l'aider à expérimenter ou bien à faire fonctionner son talent et qu'il arrive à vivre de ce talent-là, je pense qu'on est plus utile et à être vraiment un bon samaritain pour cette personne. Donc, effectivement, il sera très difficile de... Mais pour nous, vous avez vu la situation, beaucoup de gens se sont déplacés, mais nous, on s'y attendait à pas mal de gens. Mais quand bien même, on va pas en rester là. L'idée, c'est de faire en sorte que ce festival rentre dans les maisons de chaque Haïtien ici à Paris, et pourquoi pas les gens des Haïtiens de toute la diaspora. Parce que si on fait Paris, deuxième édition, la troisième édition, c'est pour bientôt, on aura la Guyane, on aura la République Dominicaine, on aura le Chili, on aura le Brésil. Parce que là où il y a pas mal d'Haïtiens, il faut qu'on mette nos talents, il faut qu'on mette nos efforts pour y arriver. C'est vrai, j'ai une dernière question. En ce qui concerne, c'est vrai, le football de Haïti dernièrement, parce que dont vous étiez nommé président de cette organisation, on a vu que l'équipe haïtienne qui a fait le dépassement avait perdu, il n'a même pas marqué un but. Alors, quel est votre avis sur cette situation? Bon, nous, on a répondu présent pour la Coupe du Monde en Bretagne avec la communauté haïtienne. Et aujourd'hui, on a mis sur scène cette rara. Disons, le rara fait partie de notre culture. Et c'est ce qu'on a voulu exprimer ici, dans cette salle, pour ce grand festival. On a invité le rara pour qu'il puisse montrer
à la communauté que ce qu'ils ont pu faire en Bretagne, ils peuvent aussi les réitérer ici pour la communauté. Bon, c'était ça l'idée. Maintenant, mon idée par rapport à la sélection féminine, parce qu'on a fait pas mal d'émissions là-dessus, on était très content. On a vu le public a répondu présent en Bretagne. L'équipe a perdu, mais regardez la mentalité, regardez le comportement de la communauté et également de l'équipe. Je pense que c'est cette action qu'on a pu mener ensemble avec tout le monde, eh bien que la FIFA aujourd'hui, qu'est-ce qui est sorti tout de suite après ce match? Ils ont dit Haïti a perdu, mais Haïti a séduit. Donc, quand bien même, c'était pas une mauvaise expérience. Haïti a perdu, mais Haïti a séduit. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a pas mal de propositions pour les joueuses haïtiennes. Il y en a qui sont appelés au Canada, il y en a qui sont appelés aux États-Unis, même en France, il y a pas mal de clubs français qui ont sollicité et beaucoup de joueuses qui, par exemple, quand on prend Dumonet, qui s'est montré comme une tigresse, hein, sur le terrain, et sur les terrains de Saint-Malo, eh bien, à part de Dumonet, il y a pas mal de joueuses, et comme je dis, eh bien, qui ont eu des sollicitations de dirigeants français, hein, pourquoi pas pour intégrer des clubs ici en France, ici en Europe, eh bien, pour que ces filles puissent expérimenter, développer leur talent, parce que on voit sur le terrain, elles sont bonnes, mais il faut qu'elles soient accompagnées de beaucoup d'entraînement, qu'elles soient accompagnées aussi de beaucoup de quand tu parles d'entraînement physique et en même temps d'encadrement, encadrement financier, encadrement structurel, c'est-à-dire qu'elles sont à même de jouer pas mal de matchs pour qu'elles soient en condition. Et moi, je vous dis sincèrement, c'était une expérience vraiment intéressante pour nous et on est prêt à réitérer cette expérience. Je ne sais pas si c'est en Bretagne, mais pour la prochaine Coupe du Monde, si l'équipe féminine arrive à se qualifier pour y aller, eh bien nous autres, si notre, parce qu'on ne connaît pas le futur, mais si notre devoir reste encore à Paris, eh bien, on va de toute façon volontiers accompagner cette équipe pour qu'on puisse à nouveau dire d'Haïti qu'elle est en voie de développement et non un pays qui, à chaque fois, qui se présente comme un pays délaissé. Et on parle que des catastrophes, alors que on a pas mal de choses qui sont importantes, qui peuvent faire, qui peuvent séduire du monde. Et bien, c'est cette entité-là que nous avons apporté en accompagnant l'équipe en Bretagne et en même temps, et aujourd'hui, relancer la deuxième édition du Festival du Rire à Paris. D'accord. Est-ce que pour cette fin d'année, il y aura aussi une manifestation comme il y avait la semaine dernière et l'année dernière? Effectivement, pour le mois d'octobre, donc je parle du 13 au 14 octobre qui arrive là. Donc c'est dit, dans un mois, on est 15. Dans moins de mois, il va y avoir ici à Paris la troisième édition du sommet de la diaspora haïtienne en Europe. Donc ce sommet-là, il y a pas mal d'invités. Des invités de marque que les gens, tout de suite, parce que j'ai pas voulu communiquer sur ces événements-là pour le moment, c'est pour éviter que d'autres gens les confondent. Maintenant, on a terminé avec le Festival du Rire et tout de suite après, dès demain, les gens vont voir fleurir sur leur page de internet l'activité qui arrive prochainement, la troisième édition du sommet de la diaspora haïtienne avec beaucoup d'invités de marque. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir et réaliser que ici à Paris, les gens ne dorment pas vraiment. Les gens, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui travaillent pour que cette communauté sorte de l'oubli et que cette communauté montre en selle pour montrer au monde entier qu'il y a des Haïtiens ici en France, qu'il y a des Haïtiens dans la diaspora qui veulent le bonheur d'Haïti et qui travaillent pour faire en sorte que Haïti sorte de l'ordinaire, pour que Haïti aille vers l'avant, pour que Haïti retrouve ses bretelles d'antan, je dirais. Parce que là, on a une Haïti qui est toute nue. Il faut qu'on retrouve les bretelles d'Haïti, ces bretelles qui ont fait d'Haïti autrefois l'appel des Antilles.
là pour aller, allez, allez.